on va réparer des générateurs. Alors, c'est y part, mon canard. Je vais réparer. Une Claudette, une hivernale. Bon, d'accord. On a tout, plein de gens qui se. Ok. Bon, bah, technique léopard, hein. Tortue, léopard, tortue, léopard. Pour référence à Maillard. Je suis très prudent, hein. J'ai un objet violet que j'aimerais utiliser avant de mourir. Donc on va essayer de repérer le tueur, ou au moins est-ce qu'il soit loin de moi quand je commence à réparer bidouiller. Et... Bon, bah... Eh ben il est loin. C'est parfait, il est loin. Alors par contre, elle s'est fait déboîte, mais à une vitesse. Ah, il faut que je me trouve un totem moi aussi. Ah! Merde! C'était pas le but. Je le sens pas bien, je me sens pas bien. Oh putain, j'ai failli rater celui-là. Personne va l'aider, personne n'y va? Sérieusement? Faut vraiment que je me chope le pouvoir de tape. Ce sera plus utile que réparateur avec cette configuration de perte. Voilà, on a fait un générateur. Mais bon. Allez, casse le totem et on va aller essayer de la. Ah bah, quelqu'un y va. Évidemment, c'est exactement ça, ça campe. Aïe 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 aïe. Ça campe, pignole, ça campe, campouse, campe, 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 campe. Tu campes avec Maillard. C'est beau. C'est beau de camper avec Maillard. Pouah, pouah, pouah. Bon, on va essayer d'y aller en loose day. Oh, il y a ruine! Nom de Dieu, c'est ruine! J'aime pas ruine! Non, mais c'est mort, j'arriverai jamais à temps. Nap, 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 nap. Pourquoi je vois un générateur en jaune, moi, d'un coup? Casser un petit totem de feu. Bon, on va se faire des points, puisque de toute façon, ça sent le tueur campeur. Donc, voilà, 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 voilà. Voilà, ça c'est fait. On va essayer de monter. Puis s'il y a un gène au-dessus, bah on va taper le gène au-dessus, quoi. Mais il n'y a même pas de gène au-dessus. Ah, ça se... Ça fera des points. Ça fera des points. Ce sera sûrement une clé verte ou une lampe. Ah non. Ouf. Ouf. Oh, c'est pas très loin tout ça. Je suis pas très fan quand c'est pas très loin tout ça. Ce qui est dommage, c'est qu'avec la ruine, ce que je viens de faire, ça ne sert à rien. Eh oui, ma bonne dame. Donc, trouver la ruine. Péter sa ruine, trouver sa ruine. Ah, puis alors là, de toute façon, il l'a mis à la cave alors qu'il campe. Bon, bah.
Ouais, non. On va aller faire le générateur, de toute façon. Il camp, 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 camp. Ah, contre crochet. Ah, effectivement, ça a vite redescendu en plus, hein. Bon, bah, il me zioute le cucu. On va se casser, c'est. Il s'est rapproché ou papa? Il se rapproche. Bien joué. Ah ouais, non mais ça sert carrément à rien de lui. Faut mieux aller trouver la ruine et aller la péter parce que là on arrivera à rien quoi. Je sais que des fois elle est planquée ici. Non, elle n'y est pas. J'ai pas le speed donc on va attirer son attention un peu par ici, tant qu'à faire. Et le téléphone sonne parce que sinon c'est pas drôle. Sauf que c'est pas un jeu où je peux mettre une pause. Alors je rappellerai plus tard. Ça c'est la zone de départ où on était. Donc le totem n'est pas là. Ou alors il est... Ou alors j'ai vraiment bouffé les noisettes. Petit totem de feu. Où l'es-tu? Petit totem de feu. Que fais-tu? Bon. Ah. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et là, c'est le drame. Est-ce que j'étais pas loin de son totem du coup qu'il soit encore là? Peut-être la balle, peut-être le coin là-bas. Non. Non. Oui, Clopo, je te soigne. Sa ruine est absurdement ultra puissante. C'est pas un... Je la trouve trop rapide pour une ruine. Beaucoup trop efficace. Elle me suit? Non, elle me suit pas. Alors, vas-y pour trouver une ruine. Tantous, putain de merdier. J'ai cru entendre grésiller. Non. D'accord, donc le totem de ruine, il est... On est d'accord que j'ai quasiment fait tout le tour de la map, hein. Alors, à moins qu'il soit au milieu, mais alors là, c'est moche. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Il m'a clairement vu. Il m'a vu. Bon, il m'a clairement vu. Il n'y a plus de palette. D'accord. Ok. Ok. Évidemment, il veut tout mon cucu aussi. Et il va très probablement l'attraper. Vite, dans le placard. Des fois qu'il est chili BBQ.
Je pense que je vais carrément faire un report sur cette histoire-là parce que les totems enflammés qui sont nulle part, non, je suis pas d'accord. Je suis très très peu d'accord. Il y a un seul endroit où j'ai pas regardé, c'est à l'étage ici. Mais s'ils ont réparé le générateur à l'étage. Merde. Bon, c'est bon. Allez, allez, c'est bon. Va te faire voir. Le mec, il savait où j'étais. Il y a pas de souci. No problemo. Ouais, on lui dira, on lui dira. Oh. Maintenant, si tu veux me laisser gagner, tu me laisses me barrer. C'est tout. Sinon, t'as aucun intérêt à me coller au... cul. Il est toujours à mon cul? Non, il est plus à mon cul. Comment ça se fait que mon auto-régret... Comment ça se fait que mon... Ah oui, non, il m'a mis au sol, oui, c'est vrai. Ouais, bah, dans mon cul-cul, quoi. Allez, une petite trappe. Une petite trapounette. Et eh ben, ce sera pas pour moi. Le totem qui n'existe pas. Le totem introuvable. Le totem que tu veux le voir, il n'y en a plus. Et j'ai encore fait trois fois le tour, hein. Putain! Bon, bah écoutez, on va y aller à la chie dedans, hein. Bah, il était là! Mais il était là, mais... Pff, va te faire voir. Allez, on tente le toutou pour le toutou. Bah tiens, il est déjà là. Bah oui, il fait celui qui veut me laisser sortir. Ouais, t'as raison, tiens. Allez, je vous parie une torgnole juste avant que je sorte. Ouais, bon bah non. Mais du coup, voilà, bon. J'ai rien compris. J'ai rien compris, le mec il est là où il faut pour me buter. Il se déplace à la vitesse qu'il faut pour pouvoir me buter. Mais il bute pas. Mais il bute pas. J'ai été sur le Black Mamba m'a épargné. Bon. Bah écoutez. Ouais, moi, l'anglais, on s'en fout à ce temps. Let's go and punish some fools. Thank you.
T'es tenté. Quelqu'un dans le coin. Il y a deux quelqu'un dans le coin. Je l'ai raté. Je l'ai re-raté. Tu ne faut pas trop se foutre de la gueule du monde non plus. Trop se fout de la gueule du monde, je viens de dire. Ah. J'ai bien cassé, ça va. On va juste s'assurer. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, j'ai perdu l'autre. Il est là? Il est là! Non. Raté! Ah, sérieux, le saut? Soyons un peu dégueu. Ah, puis là, ici aussi. Zoom, voilà. Ça répare un peu trop vite là-haut. Et bien entendu, j'ai fait le tour dans le mauvais sens. Classique. Ah ah! C'est pas beau de montrer du doigt. Oh, attends. J'ai rêvé où il y avait un rite faisable. Ah non. Bon bah tant pis. Il a décidé de mourir. Il a abandonné. Tant mieux, tant mieux. Pilou, 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 loulou. Poulou, poulou, pou, pilili. Pili, pili, pou, poulou, pou. Ah mais j'ai carrément buté en fait. Bon, désolé.
Où c'est? Là-bas. Ah ah. Mais arrêtez de vous incliner, bordel de Zeus! Je ne suis pas un gentil tueur! Enfin, pas aujourd'hui. Hey, zoom! Qu'est-ce que c'est que ces gens qui abandonnent comme ça, là? Alors oui, vous avez fait qu'un seul générateur sur 5. Oui, mais c'est pas une raison pour abandonner comme ça, quoi. Enfin, si, un peu, mais... Je vois bien qu'il a décidé de lâcher l'affaire, mais... Ça m'intéresse pas, moi, de poursuivre quelqu'un qui bouge plus. J'ai l'impression que mes petits barbelouches ici, ils sont plus valables. Ah, bien joué. Je l'ai pas vu venir le coup là. Mais toi, tu l'as pas vu venir non plus. Et voilà. Poum poum poum. C'est easy, c'est cadeau, c'est bisous. Et ça. T'es méprisable. Tu me casses mon groove. Tu casses le groove de l'empereur. Alors. Bon. Est-ce qu'il essaie de m'indiquer un jeu? Non, bah ça vient de courir là-bas. Comment ça? Quoi? Mais... 1, 2, 3 et 4 là-haut? What the fuck? Bon, vas-y, montre-moi ce que tu veux. Oui, alors, je veux pas juste te suivre, sinon je te bute. Laisse tomber, je pensais qu'il voulait me montrer un joueur qui trichait ou une connerie dans le genre, mais le mec, il veut juste me coller au fût, quoi. Donc, zoom. Ah ouais, mais c'est quoi ces abandons là? Et j'ai vu le dernier là-haut, donc ce sera une partie sans pitié, ils expliqueront après. Pom 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 pom. Voilà. J'aurais pas la trappe, mais au moins cette partie est terminée. Cette partie du non-sens, et cette partie absurde. Cette partie qui vaudra pas un copec. Ah. Bon, moi j'ai lâché des gens. Non mais...
C'est quand même fou que j'ai une team... Voilà, quoi. J'espère qu'il y en a au moins un qui va m'expliquer ce qu'ils ont foutu, quoi. Je comprends pas du tout ce qu'ils ont fait. J'espère qu'il y en a un qui va expliquer. Je reste... pas compris. Visiblement, ils ont pas envie d'expliquer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités et activer la notification. C'était Gros Choco Geek sur Dead by Daylight. Et je vous dis bien le bonsoir.